Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour votre journal Météo-Climat. Changement de temps aujourd'hui sur la moitié nord avec l'arrivée d'une perturbation plutôt active et la douceur qui persiste encore sur le pays jusqu'à mercredi. Nous avons ce front donc qui est arrivé par le nord-ouest qui va glisser vers le sud de la France avant l'arrivée d'un temps un petit peu plus instable également pour lundi vers les frontières du nord-est. Certains cours d'eau risquent de réagir ces prochains jours car on attend beaucoup de pluie, notamment à partir de jeudi. Donc n'hésitez pas à scanner ce QR code pour suivre la vigilance de votre département. En temps réel, vous connaissez le principe. Alors cet après-midi, on retrouve donc des averses nombreuses de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers les frontières du Nord-Est avec des pluies un peu plus soutenues dans sa partie nord de 10 à 20 mm de précipitations. À l'arrière, un ciel nuageux, retour des éclaircies sur la Bretagne et le soleil qui domine dans le sud avec un peu de vent autour du golfe du Lion. Les températures pour votre après-midi, des valeurs stationnaires, même si on perd 1 ou 2 degrés sur la moitié nord, avec 11 degrés à Reims ou encore à Aurillac, jusqu'à 19 degrés à Perpignan. Ce soir, on retrouve encore la perturbation qui perd de son activité. Des averses essentiellement du massif central jusqu'à l'est. En matinée, vous allez retrouver de la grisaille sur ces régions des Pyrénées en remontant jusqu'au nord-est, un ciel variable ailleurs, le vent qui va souffler autour de la Méditerranée jusqu'à 80 km/h. Des averses dans l'après-midi vers les frontières du nord-est. Les températures en matinée, elles seront comprises entre 6 et 11 degrés. Et regardez ce qui vous attend dans l'après-midi. Très peu de changements. Tout de suite, le journal.